La Fédération départementale de Saint-Louis, réunie en Assemblée générale ce dimanche 25 août 2019 à la permanence du parti située à la place Sable de Sort, de 18h30 à 20h30, renouvelle son engagement et sa fidélité au frère secrétaire général national Maître Ablaye Watt. Nous, responsables et militants du Parti démocratique sénégalais du département de Saint-Louis, exprimons nos vives félicitations et nos sincères remerciements au président Ablaye Watt pour avoir redonné de l'espoir aux membres du parti. Avec sa volonté affichée de redynamiser le PDS et de le moderniser, de le rendre plus attrayant, il l'a aussi ouvert aux jeunes, aux femmes, aux militants de base ainsi qu'à ceux basés dans la diaspora. C'est pourquoi nous réaffirmons également notre totale adhésion en ce qui concerne la mise en place du nouveau secrétariat national et le remaniement prochain du comité directeur du PDS. Le PDS prend ainsi un nouveau départ et se lance résolument dans sa grande marche vers la reconquête démocratique du pouvoir. Ceux qui, au plan local comme au plan national, essaient de saborder notre parti, nous leur ferons face, notamment Omar Sarr et Ahmed Fall Braya, qui ont le même allié qui s'appelle Macky Sall, pour qui ils travaillent contre les intérêts du parti depuis plusieurs années maintenant. Par conséquent, nous avons tourné la page de ces drôles figures et nous nous engageons à reconstruire notre parti dans le département de Saint-Louis, dans l'unité, la solidarité, la justice et la fraternité. Nous exprimons également nos sincères félicitations et nos encouragements à l'ensemble des membres du secrétariat national et du comité directeur, particulièrement à celui qui est aujourd'hui le mieux indiqué pour diriger demain le PDS. Il se nomme Karim Maïssa Wade. On ne peut pas dire que Karim Maïssa Wade est le meilleur candidat pour diriger le Sénégal et garantir que quand il n'est pas candidat, l'élection présidentielle ne se tiendrait pas. Et revenir pour dire que celui-là qui aujourd'hui pouvait être le président de la République ne peut pas diriger le Parti démocratique sénégalais. Nous souhaitons au moment venu que Karim Wade soit notre secrétaire général national et que ce choix soit fait de façon démocratique. Au demeurant, nous demandons à toutes les militantes et à tous les militants de maintenir le cap tracé par le secrétaire général national, Maître Ablaye Watt, pour resserrer les rangs au sein de notre grand parti qui est le dernier espoir des Sénégalais pour redresser notre pays, relever les défis et avancer sur le chemin que nous avions ouvert, le chemin de l'honneur, de la satisfaction des besoins des populations, le chemin qui amènera notre peuple au sein des nations développées et respectables. Vive le Sénégal, vive le Parti démocratique sénégalais, vive le président Ablaye Watt, vive le frère Karim Maïssa Wade, notre candidat. Fait à Saint-Louis le 25 août 2019 pour la Fédération, le coordonnateur, M. Mayoro Faye.